Comment faire de délicieux English muffins? Des petits pains moelleux, faciles à faire et pratiques, surtout si vous n'avez pas de four car ils se cuisent à la poêle. Dans un récipient, je mélange 30 cl de lait, 10 g de levure boulangère déshydratée et une cuillère à soupe de sucre. Je mélange vite fait et je mets de côté quelques minutes. Pendant ce temps-là, dans un bol, je mélange 600 g de farine de blé, 30 g de beurre mou et une belle pincée de sel. On va mélanger tout ça, moi je le fais au robot, mais vous pouvez faire toute cette recette à la main, ça marche aussi bien. Quand le beurre est bien intégré, je rajoute le mélange lait, levure et 10 cl d'eau. Je mélange tout ça et je pétris une dizaine de minutes. Je mets ma pâte dans un bol légèrement huilé, je mets un peu d'huile à sa surface pour éviter qu'elle ne sèche, je couvre et je vais la laisser pousser pour qu'elle double de volume, soit 2 heures à température ambiante, soit une nuit au frigo. La pâte est prête, je farine légèrement mon plan de travail, je la découpe en portions d'environ 90 g. Pour former les pâtons, j'étale la pâte, je rabats les coins au centre et je forme de jolies petites boules, ça devrait en faire 12. Dans un plat creux, je verse de la semoule fine et je viens écraser les pâtons pour qu'ils prennent une forme de disque épais. Je couvre et je les laisse encore doubler de volume, ça prend environ 2 heures. Et pour finir, je viens les déposer délicatement sur une poêle chaude et je cuis à couvert, à feu moyen, pendant 5 minutes en les retournant à mi-cuisson. Voilà comment on fait de délicieux English muffins. Bon app'.